Welcome back to my YouTube channel, guys. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va bien, par la grâce de Dieu. On va bien, bien, bien. So, aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, what are we doing? Qu'est-ce qu'on fait? On fait... We're doing a mukbang! En plus, attends, mukbang 2. Show them. Yo, let me try. Je vais pas faire tomber. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram concernant les relations, les amitiés toxiques, comment être une bonne amie, whatever. Donc vraiment tout ce qui concerne des sujets qui touchent la jeunesse. So we're gonna be answering today. On va même temps qu'on mange. Yes, on va essayer de pas trop manger puis plus parler. Bon, on va essayer, on promet rien, mais on essaie quand même. Cause one thing about me, I love to eat. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux juste le faire ici en bas. Don't forget to subscribe, like and share. Okay, so it's all love. I'm doing this for y'all, so let's get it. Aujourd'hui, je suis avec une invitée spéciale. Who are you, madame? Présente-toi! Non, attends, t'as dit quoi déjà? You're special. Period, man. Ok, moi c'est Orla, je suis la meilleure amie rabbinée et je suis enfant de Dieu. Woman of God. Period. Puis elle a tout dit, ça c'est le mot. Woman of fire, woman of prayer. Continue. Yeah, I'm with my best friend today. We're gonna be doing this together. So, on est prêtes. Are you ready? Okay, guys. So, première question. Quelqu'un a demandé, est-ce que parce que c'est, la personne est chrétien ou chrétienne, ça veut nécessairement dire que tu dois les appeler tes amis, you know? Comme tu dois les considérer comme si c'était tes amis. I'll go first. Yeah. So, moi, je veux dire ça, ok? C'est pas parce qu'ils sont chrétiens qu'ils sont nécessairement appelés à être tes amis. Oui. Not everybody is supposed to walk with you. Not everybody should have access to you like that. Yeah, uh-huh. Parce que moi personnellement, tu vois, je suis quand même entourée de beaucoup de personnes et tout. You know, it's all love, on s'entend bien, on a un vibe et tout ça, mais c'est pas nécessairement toutes ces personnes-là qui je considère vraiment comme ok. Yeah. Mes amis intimes, ouais, c'est vrai. Que si t'as des problèmes, si t'as... Désolée de te couper. Le fait que tu as dit intime, ça m'a fou comme. Tu vois ce que je veux dire? Il y a amitié, puis amitié. Il y a certaines amitiés où tu vibes avec comme on the daily basic. Puis il y a certaines amitiés où tu te permets de t'ouvrir ou de partager certaines choses. Exactement. Puis moi, puis Béné, une des choses qu'on a appris en amitié, c'est que une amitié n'est pas faite pour être juste pour vibrer. Vous voyez? C'est pas more than that. C'est ça, c'est plus que ça. Puis il y a vraiment un purpose en arrière d'une amitié. Exact. Alors pour rejoindre le fait de l'intimité, tu vois ce que je veux dire? Rejoindre le fait de l'intimité, c'est que oui, tu peux avoir plusieurs connaissances, mais ce ne sont pas tous tes amis. Exactement, you know, and I feel like la plupart du temps, comme on n'est pas capable de comme discerner, ok, c'est qui mes vrais amis, c'est qui les amis que comme il y a une certaine distance entre nous. Yeah. You know, ça ne veut pas nécessairement dire que vous ne parlez pas ou quoi que ce soit, mais juste faut que tu saches aussi reconnaître dans les temps difficiles, c'est vers qui que tu t'en vas, qui va vraiment être là pour toi. Puis une chose que je vais rajouter, ok, c'est que il y a des amis de saison aussi. Hein. Oh amen. Ok, Dieu c'est un Dieu qui travaille avec les saisons. Ouais. C'est même elle qui m'a appris ça, ok, et m'avait dit il y a certaines personnes que Dieu va placer dans ta vie pour une certaine saison, mais maybe quand tu vas changer de saison, quand tu vas être dans une certaine épreuve, ces amis-là ne seront pas nécessairement là. You know, they have to bring you something. Comme... Puis par rapport à ça aussi, l'une des choses que moi aussi j'ai appris de mon côté, c'est que... Pourquoi j'ai mangé ta pizza? C'est pas ma pointe. That was... Oh! C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, man. Comment... This is so good. Manger puis faire une vidéo en même temps, c'est pas une bonne idée. Non. Because I'm so focused on this food. Deuxième question. Quelqu'un a demandé comment savoir quoi accepter ou non dans une amitié. That's a good question. C'est vraiment une très très bonne question pour de vrai. C'est vraiment une très bonne question. Pour répondre à cette question, moi je dirais que pour tout d'abord pour savoir quoi accepter et quoi ne pas accepter, il faut connaître ça de son identité, tu vois. Tout tourne autour d'une identité. Si toi tu sais ce que tu veux et ben, si tu connais ta valeur, tu es capable de discerner ce qui ne devrait pas être, ben,
ce que quelqu'un, ce qu'une personne, ce que tu ne devrais pas accepter, oui, tes limites, comme elle a dit. Because you gotta know, qu'est-ce que t'acceptes, qu'est-ce que t'acceptes pas, qu'est-ce qui te trigger, tes boundaries dans cette amitié-là. Puis je pense que c'est quelque chose qui se fait quand même assez rapidement quand t'es avec quelqu'un ou que t'entretiens une relation avec quelqu'un. Par exemple, nous, ok, je vais donner un exemple. Comme on a deux personnalités vraiment quand même différentes. Yeah. Et moi, je suis vraiment plus extravertie, comme goofy et tout ça. Elle aussi, mais elle est plus comme plus calme, plus chill, Mais on se complète de cette manière-là. Mais il y a certaines choses que, ok, moi, j'aime moins ça quand tu fais ça, mais I'm gonna still say it, comme, ok, I don't like this. C'est ça, puis c'est tellement important ce que tu viens de dire. La plupart du temps, on accepte que les gens nous marchent dessus, nous fassent des choses, sans dire quelque chose. Exactement, mais c'est que moi, j'aime vraiment particulièrement dans notre amitié, c'est qu'on est capable de se dire, ok, là, ce que toi, tu as fait, ça me plaît pas. Ok, pour savoir quoi accepter ou non, oui, c'est important. Je rappelle le fait que oui, c'est important de savoir ce que tu peux accepter ou non, mais aussi, c'est aussi important de stand for it, dans le sens où c'est aussi important de comme se battre. C'est important de comme stand up. Mais un point aussi important que tu as touché, c'est, tu vois, le fait que on soit capable de se le dire, like that communication is so important in a friendship. To be honest, pour vraiment mettre sur la table, ok, je veux que ça, we gotta work on that, but it's not working like that, j'aime pas quand tu fais telle chose, whatever. Puis je pense qu'il faut quand même avoir cette maturité là dans une amitié. Pour, ok, parce que la plupart du temps, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, les gens pensent que, ok, une amitié c'est juste we just talk, we text, or whatever, mais c'est deeper than that. Une amitié c'est vraiment plus deep que ça. Quelqu'un t'apporte quelque chose dans cette amitié. La fois que tu te demandes, ok, je suis amie avec telle personne, mais qu'est-ce qu'elle ajoute dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle m'apporte de plus? Est-ce que j'avance avec ces personnes-là? Est-ce que je tourne en rond? Est-ce qu'ils me poussent dans mes projets? Est-ce qu'ils sont là pour me soutenir, pour m'encourager? C'est toutes des affaires, c'est de l'investissement, si tu veux, mais pas là. Aussi important qu'il est de connaître son identité dans une amitié, il est aussi important que la personne avec qui tu es amie connaisse l'identité que toi tu as. Je te dis, parce que toi tu es là, tu te dis, tu sais qui tu es, tu sais que tu es belle, tu es forte. Mais si la personne au-devant de toi avec qui tu t'appelles, que tu appelles ami, ne sait pas reconnaître ta force, ne sait pas reconnaître même ta faiblesse aussi. Ne sait pas reconnaître ta force, ta faiblesse, ta valeur. Tu vas jamais rester dans une relation qui te pourrit. Puis je pense que le but d'une relation n'est pas non seulement de t'amener à quelque part, mais c'est de te faire grandir aussi. Tu vois, tu peux pas rester dans une relation, être dans une relation où cette personne là ne voit pas la valeur, mais ne voit pas aussi le ton but, je sais pas, ta destinée, je sais pas comment expliquer ça. Puis comme pour donner un exemple, je pense que dans notre amitié, comme quand t'as dit les faiblesses, reconnaître les faiblesses de l'autre, ça c'est vraiment un sujet vraiment important parce que we're not perfect, we're not perfect, ok, il y a des affaires que I still gotta work on in this friendship et vice versa, mais je pense que c'est en mettant nos deux faiblesses ensemble, on reconnaît, ok, je sais que she's struggling with this and this, comme je sais que s'il arrive quelque chose, I'm gonna keep that in mind, que ok, elle est pas parfaite. Mais l'autre point que je voudrais rajouter, c'est que la plupart du temps, lorsqu'on voit les faiblesses des autres, on a tendance à fuir. Puis je vais juste vous dire qu'en amitié, c'est pas comme ça. Tu vas pas voir une faiblesse de ton ami et fuir. C'est ça que je veux dire, que une vraie amitié n'est pas censée fuir les faiblesses des autres, mais aider la personne à être encore plus forte. Ouais, c'est ça. La personne est censée comme fortifier l'autre dans sa faiblesse. Puis, pour reconnaître une vraie amitié, faut être capable de discerner et comprendre que, est-ce que cette personne-là, lorsqu'elle voit que je tombe, lorsqu'elle voit que je fais des erreurs, est-ce qu'elle me juge, est-ce qu'elle me pointe du doigt, est-ce qu'elle me rabaisse ou au contraire, elle me relève? Exactement. Qu'est-ce que tu valorises dans une relation en amitié? Like, c'est quoi les affaires que c'est important pour toi? Pour avoir une bonne amitié saine comme avec tes amis et tout. Moi, le bas qui est important, la communication. First of all, go on. Je vais juste boire. Ok, mais I'm gonna go on. Ouais, go on. Ok, so moi, je pense que la communication, c'est tellement important. Like, people are not in your head. You gotta speak up. You gotta talk about what you feel. You gotta talk about, express yourself. C'est quelque chose de vraiment important pour moi, de juste être capable d'avoir like a safe place, de vraiment exprimer comment je me sens dans cette amitié-là aussi, m'est arrivé quelque chose ou whatever. Comme dans cette amitié-là que nous on a, it's like, I know que s'il m'arriverait quelque chose, I can hit you up.
je pense que tu vois cette communication là de juste comme être à l'aise, de pas se sentir comme jugé, de even même quand t'es dans ton plus bas, you know, parce que c'est des fois là que tu réalises vraiment c'est qui tes vrais amis. Quand t'es dans ton plus bas, est-ce que t'es à l'aise d'aller parler à tes amis, que t'appelles amis? Je pense que par rapport à ce que Béné a dit, moi je trouve que il est aussi important de faire confiance à la personne avec qui tu es amie. Si tu ne fais pas confiance à une personne que tu considères comme une amie, tu ne peux pas venir t'ouvrir à cette personne-là. Tu vois? So, dans notre amitié, l'une des choses qui me rassure le plus, c'est la confiance. Parce que je me rappelle, avant, dans mes anciennes amitiés, je n'étais pas capable de m'ouvrir aux personnes que j'avais autour de moi parce que ces personnes-là ne me rassuraient pas. Tu sais, par rapport à la communication, c'est la clé de toute relation, que ce soit une relation amoureuse, amicale ou blablabla. La communication, même avec Dieu, même avec Dieu, la communication c'est tellement important parce que c'est à travers la communication que tu exposes ce qui se passe dans ton cœur, que tu exposes ce qui se passe dans ta pensée. Vous voyez, Dieu lui il est capable de lire dans ton cœur et dans tes pensées, mais la personne qui est devant toi n'est pas capable de le faire. Vous voyez, et c'est ça, oui c'est ça, puis c'est ça le problème de plusieurs relations amicales qui quand fait des break-up comme ça, c'est parce que la personne n'est pas capable d'exprimer ce qu'elle ressent. Et je trouve que ce serait tellement facile si on travaillait sur notre communication. Mais la communication, si je veux dire aussi que la communication aussi, il y a une communication qui se passe avec toi-même aussi. Pour que je sois capable de te parler, il faut que moi aussi je sois capable de communiquer ce que j'ai à l'intérieur de moi. Pour que moi je puisse venir à toi pour t'expliquer ce qui se passe dans mon cœur, il faut que moi je comprenne ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Puis c'est ça aussi, il faut que je me connaisse. Exactement. Connaisse mon identité. That's so important. Puis une chose aussi que tu as un peu parlé, pour moi, dans une amitié, ce qui est important, c'est vraiment quand l'honnêteté, you know, just being upfront avec ce que tu ressens, tu vois. I don't like like hypocrisy. L'hypocrisie. J'aime pas l'hypocrisie. Je suis pas capable de dire ce mot-là. Hypocrisie, voilà. Exemple, ok. J'ai fait quelque chose que t'aimes pas, je préfère vraiment que tu viennes me le dire. Comme, ok, Béné, you know, tu m'as parlé d'une certaine manière, j'ai pas aimé ça, can you just fix that for the next time? Maybe I'm gonna keep acting that certain type of way, and you're gonna feel some type of way about me, but you didn't tell me though, so peut-être que moi je prends pas conscience que je t'ai blessée, tu vois ce que je veux dire, dans ma manière de parler ou dans ma manière d'agir. So vraiment juste comme, sens-toi à l'aise de venir me dire, like, if you got a problem with me, like, we're gonna talk it out, ok, on est mature, we're gonna talk it out, puis on va trouver une solution, you know, si j'ai mal fait, comme, yo, my bad, je me fais la prochaine fois, c'est tout, ça finit là. On fait tous des erreurs. Exactement, parce que des fois, ce qui arrive, c'est qu'on garde ça dans notre cœur, tu vois, t'accumules les erreurs de l'autre, après ça, first of all, that's something that we gotta work on, man, we're not, on va pas faire comme si, we struggle with that. Est-ce qu'elle a dit oui ou mes oreilles? Okay, so next question. How to cut nicely a friendship? Comment couper une relation de manière nice? That's a good question, sincèrement, parce que je pense qu'on a tous déjà struggle avec le fait de you gotta the relationship is just not working. You know, tu peux prendre tes distances, tu sais pas trop comment le faire. Moi, personnellement, moi, je fais ça dans la prière. C'est pas ça, mais yo, non, mais if I see that something is just, it ain't it. C'est pas la volonté de Dieu que je sois dans cette relation-là. Je veux pas nécessairement aller voir la personne puis lui dire que yo, voilà, écoute, tout ce qui ça marche pas, ta. Par rapport à comment, genre, faut pas que tu ailles exposer tout, Moi, je pense que c'est une chose qui est très importante qu'on manque aussi. Puis des fois, on le fait sans tact. C'est-à-dire qu'on va voir la personne, on lui lag, on la lag tous ses bails comme ça, sans respect, juste comme ça. Non, you hurt me. There's a way of you talking. You hurt me. Really? Yeah, tu vois ce que je veux dire? So, je pense que ça vient avec la maturité, tu vois. Je pense que d'abord, toi, dans le secret, tu devrais analyser les raisons pour lesquelles tu dois quitter cette relation. Exactement. Tu dois comme avoir ton mindset set up en même temps avant d'aller voir la personne et lui dire, ok, voici ce qui se passe. Exact. Faudrait que tu pries pour que le cœur de la personne soit disposé à le recevoir aussi. Yeah. Tu vois? Parce que si son cœur n'est pas préparé, la personne va réagir d'une manière que toi, tu n'as pas prévu. Yeah. Ensuite de ça, tu vas voir la personne, tu lui exposes gentiment, délicatement. C'est gentiment. Ok, si
tu dis ok, 6, dans le fond, moi j'ai pris la décision dans le secret de me séparer de toi, mais je veux pas te séparer radicalement de toi. Non, mais pas séparer. Non, mais moi je veux même pas le dire. Mais pourquoi? C'est disrespectful. Non, it's not disrespectful. I just feel like I'm gonna pray about that. Puis Dieu va faire les affaires. Si Dieu doit nous séparer, tu vas juste voir que la personne va commencer même par elle. Non, ça, ça blesse. Venez, ça, ça blesse. Non, moi je pense non, que parce blesse. Que la manière que moi je fais ça, ok. Ouais. I'm still gonna talk to you. We're still gonna talk. We're still gonna vibe or whatever. Mais tu vas juste remarquer que je m'ouvre peut-être moins à toi. Ah, ça, c'est blessant. Pour la personne en arrière de ça, c'est blessant parce que du jour au lendemain, tu tournes. Pas du jour au lendemain, ça, je sais. Non, je sais. Mais oui, graduellement, mais elle va remarquer le changement. Et yo, quand elle va remarquer, on va parler, bro. Non, ça se fait pas. Non, ça se fait pas parce que la personne sera brisée. Elle va se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, ouais, j'avoue. Tu vois ce que je veux dire? Ben, yeah. Ouais. Ok, so next question. Là, on rentre dans les questions un peu plus spicy. Spicy, vraiment. You know what I'm saying? On aime ça. Quelqu'un a demandé, ok, ça c'est Mareva. Shout out to my girl. Elle a dit, amitié gars-fille, est-ce que ça existe selon toi? Est-ce que je peux respirer avant de répondre à la question? I'm gonna let you answer to that parce que moi je suis pas dans ça. Non, non. Attends, recommence encore. Repose-moi la question. On va parler français. J'ai dit, oui, est-ce que amitié gars-fille, ouvre bien tes oreilles un peu. Oui, vas-y. Est-ce que amitié gars-fille, ça existe ou pas? Mais ça dépend. Quand je dis, non, mais oui, c'est vrai, ça dépend des personnes. Parce que pour être honnête, ok, pour être honnête, moi j'ai des frères en Christ. Non, but it's not even like that. C'est des amis. J'ai vraiment des. I'm staying right here. J'ai des frères en Christ, tu vois, mais they're just friends, like on est vraiment des amis et tout. Mm-hmm. But oui, on a quand même une relation, like frère en Christ, sœur en Christ. Like on a des boundaries, certaines boundaries. Like je veux pas acte de la même manière que je fais avec une fille quand je parle avec un gars. Tu vois, je veux dire, je sais pas. Amitié fille gars. Moi, je pense que amitié fugace, ça se fait, mais jusqu'à un certain point. Mmh. Parce que tu vois, il y a certaines amitiés qui rentrent trop dans l'intimité, là, tu vois. Fait que. It depends. Ça dépend. It really depends parce que, yo. Parce qu'on va se dire qu'on est amis avec des gars, non? Moi, je suis amie avec des gars. Toi, t'es amie avec des gars. Des frères en Christ, non? Mais c'est vraiment important de put your boundaries. Parce mais que moi surtout, je suis pas contre ça parce que dis-toi que Dieu t'envoie quelqu'un sur ton chemin comme ami des destinées puis c'est un gars, tu vas pas te priver de cette amitié là parce que exactement. But I do think it's possible when you put your boundaries, you know, puis que l'autre personne sache aussi, ok, we're just friends, c'est comme ça qu'on fait les affaires, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi j'en ai des amis gars and you know. You know the vibe. He knows the vibe. Comment on prie ensemble. On prie ensemble. On fait les autres. Ok, so prochaine question, guys. Quelqu'un a demandé, how do you know you're ready for a relationship? So comment tu sais que t'es prêt à aller dans une relation ou whatever? Tu commences? Yeah. Ok, je vais aller. So moi, je pense que un conseil que je peux te donner, c'est vraiment de wait on God's timing. Comme attendre le temps de Dieu. Honnêtement, des fois, on est tellement rapide à s'embarquer dans certaines relations qui sont même pas God approved. You know, peut-être que c'est même pas Dieu qui t'a appelé dans cette relation-là. You know. Mais je voudrais juste rajouter que le fait que on court trop, on perd vraiment comme de patience, tu vois. Yeah. Comme Béné l'a dit tantôt, c'est vraiment important de faire attention au temps de Dieu. Yeah. Si Dieu n'a pas, si Dieu n'est pas au milieu de ta relation et que tu te lances, tu risques de tout perdre, tu vois, parce que c'est lui, c'est même pas lui qui a initié cette relation là. Et tu vas, tu peux avoir des blessures comme. Yeah. And it hurts. Yeah. Bien, bien. Ok, I was not. Quand c'était un témoignage. Hein? Anyway, une chose aussi que je vois souvent. Dans la jeunesse et tout, c'est que quand on se lance dans une relation, notre propre relation avec Dieu est même pas stable. Tu vois, je veux dire, comme. Un as. That was a word for somebody. Ouais, ça. Non, mais to be honest, c'est comme si on veut bâtir une intimité avec quelqu'un, on veut bâtir une relation avec quelqu'un, mais dans ta propre relation avec Dieu, it's not going that good, you know. Je pense que des fois aussi, on a les mauvais motifs. On court après une relation pour des mauvaises c'est raisons. Vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement vrai. So, tu penses que si de base tu veux une relation et tu sais pas pourquoi tu veux avoir cette relation là, c'est sûr que ça va comme ça va pas fonctionner parce que t'as pas les bonnes motivations. Yeah. Parce que si quelqu'un veut une relation pour avoir
pour être consolé, pour être... Donne-moi un exemple. C'est ça, j'allais dire, exemple, like, you don't know, t'as besoin de ce confort-là, t'as besoin de quelqu'un qui va vraiment comme te comprendre et tout ça. You're gonna run after that person, mais cette personne-là peut pas te remplir. Mm. Tu vois, le vide que t'as dans ton cœur, il y a juste Jésus qui peut te le remplir. C'est pour ça que j'ai dit au début, c'est tellement important que dans ta propre relation avec Dieu, t'as déjà une certaine stabilité, puis que, you know, ta source, ça reste Jésus. You know, parce qu'une erreur que moi j'ai fait, and I'm gonna be really honest, okay, avec vous, c'est que moi, je m'étais embarquée dans une relation, ok, mais je cherchais à ce que cette personne-là, justement, me fasse sentir bien, me montre c'est quoi ma valeur, tu vois ce que je veux dire, mais ça marchait pas. Ouais. Puis, tu sais, je me tournais vers Dieu juste quand j'avais le temps, et tout ça, mais cette personne-là devenait mon focus. Yeah. Ça, je veux dire, so, c'est ça. You know, puis c'est ça, ça revient tout le temps à l'approbation de Dieu, tu vois, parce que je veux dire que Dieu, il sait ce qu'il y a dans le cœur de la personne que toi tu veux, puis Dieu sait ce qu'il y a de bon pour toi. Alors tu demandes à Dieu, est-ce que cette personne là tu trouves qu'elle est bonne pour moi, ou est-ce que tu veux que je m'initie dans cette relation là en ce moment, il va te répondre. Ouais, puis ça t'évite des blessures inutiles et une perte de temps. And one thing I want to say, c'est que Dieu confirme, okay, God is gonna talk to you, God is gonna approve, God is gonna show you that, okay, non, cette personne-là, c'est pas pour toi. Yo, attends, moi, je veux dire à quelqu'un que Dieu parle. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui croyait pas que Dieu parlait, mais Dieu parle. Des fois, on cherche des réponses dehors, on cherche des réponses dans des relations, on cherche des réponses dans des amitiés. Dieu répond, mon frère, ma soeur. Yeah, you can just go and ask him. Puis ce que Dieu lui dit, c'est vrai. Exactement. Puis c'est ce qu'il dit, tu vois. So, bon, yeah, how to heal after a breakup. Kat, c'est raide, là? Mais moi, je te dirais, ok, to really talk about it to Jesus. Je dis ça pourquoi, ok, parce que je pense qu'une chose qui aide le plus, c'est de vraiment express what you feel. La personne qui va vraiment t'aider dans ce processus-là, c'est Jésus. You know, cause tes amis ne vont pas nécessairement comprendre the pain that you're going through. You know what I'm saying? Ils peuvent te conseiller, ils peuvent t'encourager, whatever, t'envoyer des petits versets, tout ça. Mais ils peuvent pas comme, you know, they're not the one that's gonna heal you. Il y a vraiment juste Dieu qui peut réellement te guérir, puis guérir comme le vide que cette relation-là peut-être t'a laissé. You know, so moi j'irais plus dans juste expressing what you feel. You know what I'm saying? Talking about it. So on peut essayer toutes sortes de remèdes, ou même de remplacer la personne par une autre, ou courir après d'autres relations. Mais je veux dire que c'est juste comme ton cœur est brisé, mais ton cœur est aussi vide en même temps, parce que cette personne est partie. Exactement. Tu vois, faut qu'une autre personne remplace cette personne, une autre personne qui est mieux que cette personne qui est partie. Je pense que c'est Jésus, parce que ce que tu as perdu à travers cette personne là Jésus peut te le redonner. Amen. Pour guérir de ça, faut vraiment comme donner ton cœur à Dieu, tu vois. Tu présentes ton cœur vulnérable à Dieu et tu dis, ah, j'avoue, Seigneur, en ce moment je suis brisée et voici ce que j'ai entre mes mains, mais j'ai besoin de ton aide aussi. Because like sometimes on essaie de trop garder ça, on fait notre foire, on fait notre tough, comme ok, you know, I'm not with that person anymore, but I'm okay, mais en réalité, you know, you have pain in your heart, tu vas pas bien, et you know, Jesus is a person, you can talk to him, you can really come, expose ce que tu ressens. Puis on a déjà parlé de ça, mais aie pas peur d'être vulnérable devant Dieu, tu comprends, c'est vraiment dans cette vulnérabilité-là qu'il va pouvoir te guérir. Because if you come in the presence of God, tu fais comme si, you know, hey God, like, I'm good, I'm all good, you know what I'm saying? Yeah. Il peut pas guérir a fake version of you. Just be real to yourself. So, le fait qu'une personne t'abandonne, comme, ne veut plus de toi, ne fait pas de toi une mauvaise personne ou moins de personne qu'une autre. Exactement. C'est ça. Puis, je vais juste rajouter le fait qu'il est important aussi de se laisser vivre sa peine. Tu vois, faut pas cacher, faut pas refouler ses blessures. Sometimes on se précipite trop, Puis la guérison, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, vous voyez. Faut être patient dans le lieu secret avec Dieu, puis laisser Dieu faire son travail. It takes time, you know, it takes time for her, puis it's a process. Je pense vraiment que c'est un processus de guérison, puis, you know, just exposing what you feel. Et laisser le Saint-Esprit te toucher, laisser le Saint-Esprit te guérir aussi. Ouais. So, c'est vraiment ça qu'on peut te conseiller. Next question, guys. Yeah. Ok, quelqu'un a demandé, comment oublier quelqu'un lorsque tu t'es vraiment attaché à la personne? Like, how do you forget the person? You block that person. Block. Instagram? Block. Block. Facebook? Block. WhatsApp? Block. TikTok? Block. Snapchat? Block. Block fois deux même. You know? Because people be doing like fake accounts pour venir te reach out et tout, block. Tu coupes tout contact avec la personne, puis après ça, tu vas dans la présence de Dieu pour de vrai. Prayer, man. Moi, la réponse, c'est toujours prayer. Parce que I feel like des affaires comme ça, surtout ce détachement-là, ça se fait dans la prière. Moi, like, I'm gonna break that. Cet attachement-là que j'ai envers toi,
je vais prier sur ça, puis demander vraiment à Dieu, parce que par moi-même, exactement, parce que par moi-même, je serais pas capable. I know that, okay, I may keep falling, keep texting the person, continuer à le traquer sur les réseaux sociaux. Bene. Hein? Oh. I went too far on that, but anyways, I know somebody can relate. Faites pas comme si là, faites pas comme si j'avais fait ça. Like, what can I do to have a better relationship with God? Il faut que ton cœur soit vrai avec Dieu. Parce que Dieu va regarder toutes tes actions, tes temps dans sa présence, tes temps dans la lecture de la parole, mais s'il voit que ton cœur n'est pas vrai avec lui, que ton cœur appartient à une autre chose, tu n'as pas de relation avec la personne. Yeah, tu vois ce que je veux dire? Yeah, c'est ça. Puis je pense que, moi pour ma part, je pense que, you know, how to better ta relation avec Dieu, c'est cette intimité-là. Build up an intimacy. Comme vraiment, tu vois, c'est la même chose avec nos amis puis tout. Comment on crée une relation avec nos amis? On prend de leurs nouvelles, on passe du temps avec eux, on les appelle au phone, on s'en va chiller avec eux. On fait ce pas-là de comme bâtir cette intimité-là, right? So, je pense que c'est la même chose dans ta relation avec Dieu. Vraiment, comme donne-lui ce temps-là. Du temps avec Dieu, passe du temps de qualité. Et c'est dans l'intimité aussi que tu apprendras à aimer Dieu. C'est quoi tes motivations à amener à cette relation-là avec Dieu? Parce que la plupart du temps, on cherche à ce que Dieu nous bénisse, on cherche à ce que Dieu nous donne plein d'opportunités, mais comme on lui donne pas notre cœur tout en entier. We just get looking for the blessings. You know what I'm saying? C'est ça, Jules. Yeah. Faut avoir un cœur vrai. Un cœur vrai for real. Remarquez que le Saint-Esprit, il vit à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit ne vit pas en dehors de toi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit veut avoir accès à l'intérieur de toi, tu vois. Surtout les gestes à l'extérieur que tu fais, peu importe tout, sont pas aussi importants que ce que tu as donné à Dieu dans ton cœur, tu vois. Next question. Vas-y. What's your type of... C'est quoi le caractère que tu recherches chez un gars? Like, Maintenant, pour répondre à la question vraiment, Béné, tu veux-tu commencer ou tu me laisses le champ? You can go on this. C'était pas une question, c'était une proposition pour que tu... Il y a un gars qui est doux, you know? Qui sait parler, quoi. Tu sais parler, you know, I don't like, like the aggressiveness or whatever. Like, j'aime quelqu'un qui you know, yeah, to talk to me. Tu sais comment régler un problème, tu sais comment être respectueux en me parlant, tu sais comment aborder une situation, you know. Ça, c'est déjà quelque chose. Sinon, comme on a dit tantôt, un gars qui a une vision, tu veux élaborer sur ça? Faut que tu saches d'abord, quand tu te mets dans une relation, faut que tu saches d'abord ce que tu cherches dans cette relation-là. Le chemin que tu dois emprunter, faut que ton partenaire, toi, vous aussi, vous vous concertez pour savoir où vous devez aller. Tu voyais? Vision. La vision. Pour avoir la même vision de ce que vous voulez accomplir. As Christians, we date to marry. You know, on date pas sans purpose. You know, autant aussi en entrant dans une relation de savoir comme qui ça va. C'est que Dieu l'appelle exactement. À faire, parce que moi Dieu m'appelle à faire. Exactement. What do you bring to the table, sis? Comment faire pour vaincre la comparaison avec les gens autour de toi? That's a deep question. That's a good question. Yeah. To be very honest, I do struggle with it sometimes, you know, and it's a battle for real. Parce que des fois, on est tellement, as a Christian, on est tellement comme porté à voir, ok, les autres sont rendus là avec Dieu, les autres sont full avancés dans leur relation avec Dieu. Telle personne fait déjà ça, des miracles, des affaires, ok, puis moi, Dieu a mis quelque chose de différent en nous tous. Ok, la personne que toi tu es, c'est pas ce que moi je suis. Peut-être que Dieu va marcher avec toi d'une telle manière, Dieu va m'utiliser de différentes manières. Des fois, le problème avec la comparaison, c'est que on voit ce qu'ils ont reçu de Dieu au lieu de voir ce que nous on a reçu aussi, tu vois. Exactement. Fait qu'on détourne nos regards sur ce que nous on a en nous au lieu de comme se focusser sur soi. Puis je pense qu'il est important aussi de se rappeler que Dieu a des plans pour chacun de nous, pour chaque personne. C'est sûr que les plans sont pas tous pareils, mais on a le même but. Exactement. Gagner des âmes ou peu importe. Fait que tu n'es pas en compétition avec la personne à côté de toi. We're on the same team. C'est aussi de juste te voir avec les yeux de Dieu, pas les tiens. You know, see yourself with God's eyes. Mais il faut savoir que Dieu est capable de nous délivrer de ce genre de choses. Amen. Tu vois ce que je veux dire? Ça amène beaucoup de jalousie aussi, hein. Ça amène de la jalousie parce que vraiment, quand tu vois les autres réussir, quand tu vois les autres faire des grandes choses pour Dieu, whatever it is, que ce soit un projet, que ce soit un business, you know, puis que t'as cette jalousie-là dans ton cœur que, oh, j'aurais pu faire ça moi aussi, like, pourquoi moi, pourquoi pas moi? Là, tu te compares. You know, okay, guys, so, c'est la fin de notre vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. C'était tellement nice.
Do you like it? Bien comme il faut. Yeah, we're gonna do a part 2. Pour de vrai, j'ai trop aimé. We're gonna do a part 2, si vous voulez. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va répondre une autre fois. Anyways. C'est vraiment ça, guys. Stay blessed. On se voit dans une autre vidéo. Si t'as pas encore subscribe, moi j'ai juste une question pour toi. T'as regardé toute la vidéo, t'as pas encore subscribe. There's a problem. Va subscribe là. You know, support your girls. Est-ce que t'as un mot pour la fin? Je t'aime. Period. Period. Ça, c'est vraiment ça, guys. Merci, bye. Make them no constitute my joy. Remind me when I'm weak, you're strong. Remind me of your pressure, God. Oh Lord, make it help you, boy.